Bonjour ou bien bonsoir tout le monde. Glaucome, c'est une maladie des yeux qui affecte un peu le monde tout partout sur la terre. Dans le pays d'Haïti, il y a un peu de monde qui vient aveugle, non seulement parce que yo te gen glaucome, mais yo pas gen bonne information pour yo te aller voir un docteur des yeux à temps. C'est peut-être ça dans la vidéo aujourd'hui. Nous recevons le docteur Reginald Réjoui, qui est un médecin ophtalmologue qui peut parler de sa maladie glaucome. Avec lui, nous allons ensemble qui sa glaucome, qui signe un symptôme qui a alerté ou sous maladie de ça, qui catégorie monde qui risque de développer maladie ça. Après tout, est-ce qu'il y a des moyens de prévention qui existent contre maladie glaucome? À la fin, après, est-ce qu'il y a un traitement qui existe pour maladie ça? Si vous faites tomber sur Chanel là, nous faisons connaître que sur Chanel YouTube ça, nous faisons vulgarisation, information sur la santé. Il y a une façon pour permettre de bien informer vous sur la santé pour qu'apprendre bon genre décision pour protéger la santé. Bonjour docteur Réjoui, première question à poser. Qui est la maladie glaucome nan ye? Glaucome c'est une maladie qui détruit les yeux. Léa c'est un bagage des yeux qui permet de nous voir, qui voit mes sangs par le cerveau, de la regarder. Le glaucome c'est une maladie qui finit par détruire les yeux. Il manifeste par tension des yeux qui monte. Le plus souvent, c'est tension des yeux qui monte qui détruit les yeux. Mais comme ça tout, il y a deux mondes, tension, j'ai pas même besoin de monter, mais nous comme la détruit, mais quand même. Docteur Réjoui, est-ce que y a un signe ou un symptôme que vous avez senti qui a fait les connaître que c'est glaucome qui a gagné? Alors, il y a plusieurs façons que vous avez connu le glaucome. Mais la première façon, c'est que vous n'avez pas même manifesté en rien, vous n'avez pas même continué, mais que c'est seulement de la consultation de Dieu. Et ces docteurs sont capables de voir plusieurs avec le corps. Mais il y a quelques signes qui sont capables de permettre de connaître le fait de corps. Attention, je vais tellement monter, les rivets haut, non point côté que j'y parle, on a gros douleur, gros tête fait mal. Et tête fait mal, ça a des fois, on a même vomi. Mais ça nous dit qu'on a une crise de corps. Mais ça, attention, je vais monter en plus. Mais, quand ça tout, quand il y a des gens qui font avec le corps, il y a des signes qui sont capables de reconnaître ça. Si les gens qui font avec le corps dans lui-même, il compte fait avec yeux qui paraît grand, qui gros, des parties noires dans yeux, il compte paraît tout bleu. Mais ça, non, c'est ça, nous les buffetamines dans la médecine, mais c'est une signe qui est capable de reconnaître, permettre de reconnaître que si on a fait avec maladie de glaucome. Mais après ça, les gens qui ont de glaucome qui n'ont pas de jambes, qui aucun signe qui n'ont pas de connaître, bon, au moment qui arrive quand même, que dans les visions, on a tellement baissé. Que les parents commencent à voir que les parents l'image qui est à côté. Et que faut que l'on va bien, il faut qu'ils fixent le droit devant lui. Le ça, on a commencé à signer le glaucome. Jean Haïtien toujours remédie. Maladie par jambe tombée sous pied bois. Docteur Réjoui, est-ce que vous avez une catégorie de monde qui a plus de risques pour développer maladie glaucome? Mon qui plus à risque pour faire glaucome, tout d'abord, c'est mon qui fait dans la famille qui a mon qui fait glaucome. Parce qu'il y a des familles côté que des grands-parents qui ont des glaucomes, qui transmettent de génération en génération. C'est ça qui fait nous parler de maladie héréditaire. C'est le qui est hérédité, c'est une transmettable. Nous sommes plus à risque. Mais l'autre catégorie qui est à risque, que même si que le fait dans la famille de glaucomes ou pas, c'est leur arrivée dans un certain âge, leur non âge avancé, plus soit grand monde, leur arrivée, leur quitter 40 ans derrière, pour commencer à entrer dans l'âge où, si vous avez une maladie, ça, dans la famille, la maladie héréditaire, c'est dans le moment où ça a commencé à manifester après la quarantaine. Mais après ça, tout le monde, même les gens qui fait avec le glaucome, ils ont des glaucomes juvéniles. Si on n'a pas fait avec eux, ils ont développé très jeune. Donc, si on a 6-7 ans, ils ont pas développé le glaucome. Et en même temps, tout, nous avons une race noire, que la population noire en Haïti, c'est une population noire, nous avons une race noire tout, qui est plus à risque pour faire le glaucome. Quel est le monde qui a ouais? Yon docteur yeux, s'il voulait faire prévention, docteur.
aussitôt que mon avoir une dans ça que ta vision à côté lui commencer baisser il commencer pas au ça à côté lui il t'a supposé consulter rapidement mais si mon a connait dans la famille que il y a monde qui fait le loco là pas même besoin tant que il y a ni 40 ans ni 20 ans aussitôt que le courant que dans la famille il y a quatre loco mon ça supposé marcher rapide à un docteur yeux pour examiner les yeux partout pour voir s'il pas être à risque de maladie ou sinon s'il pas être gagné déjà. Nous connaissons un pile maladie yeux qui ca la cause du monde vient aveugle parmi eux gain cataracte mais glaucome dans docteur qui place li occupé en Haïti une cause qui rend monde vient aveugle la cataracte nous en Haïti donc on a dit représenter deuxième catégorie parce que nous gain cataracte qui c'est pour les causes vraiment que mon qui aveugle nous mais c'est cité c'est cataracte là nous mais malheureusement nous gain d'autres pour les glaucome qui c'est deuxième catégorie maladie qui rend plus mon aveugle en Haïti. Donc, il est important pour le monde prendre bonheur parce que c'est une maladie qui est silencieuse, docteur. Malheureusement, c'est une maladie qui est silencieuse, j'ai encore dit là. C'est une maladie qui est capable d'évoluer, ou pas même au courant, pas même sentir rien. Et des fois, jusqu'à ce qu'on rende compte de ça, qu'on est dans trop temps, c'est le sage n'est pas capable de encore et que le docteur n'a pas amélioré la vision. C'est-à-dire, là, le point fois qu'on est au courant que son maladie est capable d'évoluer de manière silencieuse comme ça, il est très important pour capable consulter le médecin aussitôt que possible, le plus tôt que possible. Il y a des gens qui ont une maladie glaucome. Est-ce que mon sac a traité et puis réouvre encore? Bon, jusqu'à nos jours, il y a des traitements pour le glaucome. Mais malheureusement, il n'y a pas guéri le glaucome définitivement. Il y a des traitements. Les traitements, c'est des traitements qui vont permettre de ralentir le processus maladie. Pour permettre mon avis mieux pendant le plus longtemps que possible avec vision pour ne pas perdre vision pour ne pas venir avec c'est des gouttes là des gouttes blanches pendant toute résidence des gouttes qui baissent la tension yeux pour qu'un tension yeux plus stable pour ne pas monter pour le glaucome ne pas détruire rapidement et non seulement gouttes yeux qui est de l'autre procédé que le docteur est capable de proposer maintenant qui est de laser traitement laser nous allons faire pour le glaucome et que avec laser là nous créons nous élargir l'espace côté liquide qui est dans ce qui peut monter tension. Côté liquide, ça peut gonfler, nous allons élargir l'espace avec laser. Mais ce n'est pas ça seulement, tout, il y a une autre opération que le docteur est capable de faire, côté que les liquides font un canal passer pour drainer le liquide qui monte tension visuelle. Tout ça, c'est des traitements qui existent de nos jours. Mais malheureusement, il n'y a pas traité le glaucome de manière définitive pour dire qu'il est capable d'éliminer la maladie à la détruire. Traitement, ça est disponible en Haïti, docteur Richie? Heureusement, oui, tout traitement est disponible en Haïti. Nous avons des médicaments, nous avons des gouttes qui baissent la tension yeux. C'est le traitement qui est le premier traitement d'ailleurs. Les gens qui viennent en glaucome, surtout si pour manifester rien à la caille du tout, nous avons mis des médicaments sur gouttes pour qu'ils mettent la tension stable pour lui. Et nous faisons laser tout en Haïti. Oui, il est disponible. Et en même temps, il y a une autre méthode pour créer un canal, un passage pour drainer le liquide là. Yo conseil pour Zami Chanel Haïti Info Santé non yo docteur. Alors pour le comme pas arriver dans stade pour péter yeux, pour pas venir avec. Il est important pour un docteur yeux. Et docteur yeux ça il est important pour le plus tôt que possible. Si toutefois pour au courant que dans famille ou quand il y a un qui a peur déjà. Quel que soit cause des pour pas au courant parce que des fois en Haïti mon aveugle nous pas nous pas connait cause là, yo pas toute qualité signification. Mais l'on pas connaît, il est important pour le docteur et pour qu'on dérouler avec la famille. Information sur la santé a permis de gagner assez de connaissances pour connaître qui l'est pour aller voir le médecin. Dans la vidéo, ça, nous avons partagé information sur le glaucome ensemble avec le docteur Richie. Je vous remercie vous-même qui avez pris du temps pour regarder la vidéo. Ça. Je remercie tout docteur Réjoui qui t'a partagé toute information ça yo à nous aujourd'hui. Ou même qui t'a regardé vidéo ça, qui pourquoi abonner à channel là, m'a invité à faire ça connait. Et puis pas oublier activer petite cloche notification pour recevoir toute dernière vidéo nous gagner pour nous publier sur channel là. Non pas c'est Caroline ça non, moi t'es content ensemble avec nous. Au revoir, à la prochaine pour une autre vidéo.